Nous allons commencer. Bonjour, Shavua Tov. Nous sommes dimanche, veille de Tu Bishvat. Nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir parmi nous Dan Levy, un de nos guides préférés, on va dire le guide préféré, un de nos guides préférés, avec qui nous avons déjà fait plusieurs Zooms, et qui va donc nous parler de Tu Bishvat, qui commence ce soir. Donc ce Zoom est fait dans le cadre des rencontres de l'OSM, du département de la promotion de l'Aliyah, du département des activités sionistes. Je remercie Yasmine Mannheim, notre directrice à Paris, et Avi, qui est le présentateur officiel de ces réunions, n'a pas pu se joindre à nous. Il le fera peut-être pendant cette réunion. Dan, je te laisse la parole. Il fait très froid à Jérusalem, beaucoup de pluie. Ça peut être un rapport avec ton Zoom, je t'en prie, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver. Effectivement, il fait très très très, très chaud dans la maison puisqu'on a mis les chauffages. Mais dehors, il pleut et il y a une belle tempête de pluie qui souffle à Jérusalem depuis maintenant plus de 48 heures. Donc, on est très très content. Et nous, ça nous va très bien. Et un beau Tu Bishvat arrosé de pluie, ça ne fait que promettre des belles récoltes, en tout cas. Alors, on va commencer. La présentation que je vous ai organisée aujourd'hui sera en deux parties. La première partie parlera de tout ce qu'on appelle la Shemitah, puisque vous n'êtes pas censé savoir que cette année, 5782, en Israël, nous sommes dans un cycle de la septième année. Et donc, cette septième année qu'on appelle la Shemitah, on traduit par la Jachère, mais c'est très mal traduit. Il faudrait essayer de comprendre un petit peu de quoi il s'agit. Donc, je vais essayer de vous expliquer ça et de comprendre, bien entendu, les conséquences sur les fruits et les légumes en Israël, puisque nous fêtons Tu Bishvat et que Tu Bishvat est le Rosh Hashanah Laïlanot, donc le premier rang, le nouvel an des arbres. Alors, on va essayer de vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit grâce à cette présentation. Et puis après, je vous amènerai au Chouk Machane Yehuda pour aller voir les beautés des fruits d'Israël. Hop. Voilà, on va le faire en grand. Voilà. Bien, alors on commence. Première partie, explication un petit peu, en général, on va dire, du lien agricole qu'on doit avoir avec la terre d'Israël. Alors d'abord, Tu Bishvat, pour ceux qui ne le savent pas, Tu Bishvat, c'est une date, pas une date qu'on mange, mais la date d'un calendrier. Tu, c'est 15, Bishvat, le mois de Shevat. Donc on a le deuxième mois. En réalité, le premier mois de l'année, d'après la Torah, d'après la Bible, c'est le mois de Nissan, mais on va d'après le mois de Tishri, et donc on a passé Tishri, Cheshvan, Kislev, Tevet, et maintenant on est dans le mois de Shevat. Et le mois de Shevat, le 15e jour du mois de Shevat, eh bien, nous fêtons la fête de Tu Bishvat. Donc c'est une fête en fait où on dit le jour. Alors, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui se passe ce jour-là? Mais il se passe quelque chose de merveilleux dans la nature, c'est que en réalité, l'hiver, on est en plein dedans, mais il y a un premier arbre qui commence non pas seulement à fleurir, mais aussi à donner des fruits. Et c'est cet arbre que vous voyez là devant vous sur l'image qu'on appelle l'amandier. Et cet amandier, en fait, je crois que je vais arranger le partage. Voilà. Donc l'amandier est en fait le premier arbre qui pousse pendant l'hiver. Et le 15 Shevat, alors c'est comme si qu'il y avait une minuterie naturelle dans ce cercle de la vie. Le 15 Shevat, l'amandier donne son fruit, l'amande. Alors il y a une très grande discussion à ce sujet, puisque en fait deux rabbins se disputent et discutent à savoir quand est-ce que on peut fixer le premier rang le nouvel an des arbres. Alors, ces deux rabbins, c'était des rabbins qui vivaient en Israël au premier siècle. Ils s'appelaient de Hillel et Shammai. Lorsqu'ils parlaient, d'après l'un, Hillel, le nouvel an des arbres, c'était le 15 Shevat.
et pour l'autre, c'était le premier Shevat. Donc, à 15 jours de différence, ils pouvaient vraiment se retrouver dans leurs idées. Pourquoi il fallait discuter? Alors, c'est une très, très grande question philosophique. C'est parce qu'en fait, le premier Shevat, l'amandier commence à fleurir, et le 15 Shevat, il commence à donner ses fruits. Et la question est de savoir, qu'est-ce qu'on appelle le nouvel an des arbres? Est-ce que c'est quand ça commence ou quand le processus est terminé? Alors, c'est une très grande question philosophique et il faut choisir. Et donc, on a choisi que c'était le 15 Shevat. Et donc, les rabbins ont fixé que le moment de maturation des fleurs et lorsque l'amande sort, eh bien, on peut fixer le nouvel an. Donc, à la fin de l'aboutissement d'un grand processus, c'est là qu'on va fixer la fête. Et que tout le travail en amont de préparation n'est rien d'autre que, en fait, un but à atteindre. Le but est de donner le fruit. Alors, vous pouvez le voir, il y a une grande habitude en Israël, c'est qu'à Toubishvat, on plante des arbres. Et d'ailleurs, ça fait même la une des l'actualité. Mais bon, on ne va pas rentrer trop là-dedans. Le KKL, qui est une grande entreprise qui a plus de 100 ans, a planté de nombreux arbres en Israël. Et essentiellement, ce n'était pas des arbres fruitiers, mais bon, on a cette habitude de fleurir la terre d'Israël. Cette terre d'Israël, comme vous le savez, nous a été donnée et léguée à nos ancêtres il y a maintenant plusieurs centaines d'années, voire même des milliers d'années, 3500 ans. Et elle est décrite dans la Torah, dans la Bible, sous l'aspect de ce verset qui nous dit que c'est une terre, on l'a décrit, où il y a du blé, de l'orge, de la vigne, de la figue, des grenades et même de l'huile d'olive et du miel. Et c'est ce qu'on appelle la terre des sept fruits d'Israël. Ces sept fruits-là poussent de façon assez présente en Israël. Bien entendu, ça dépend de l'endroit où on est, la zone géographique. Les dattes sont dans le désert. Les vignes sont au nord du pays ou quelquefois même dans le désert on arrive aussi à faire des vignes, en tout cas dans le Golan et la Galilée et ainsi de suite, et donc on a pas mal de ces fruits là et vous allez voir qu'en fait de nombreux commandements dans la Torah sont liés non pas seulement aux fruits mais également à la terre d'Israël. Alors je vous ai marqué ici sur l'image, vous pouvez voir différentes sortes de commandements qui sont liés uniquement à la terre d'Israël. On appelle ça les mitzvot, les commandements qui sont liés à la terre. Et bien entendu, Yerushalayim, Jérusalem, est le lieu où il est très difficile de faire de l'agriculture, mais tous les fruits devaient arriver à Jérusalem à l'époque quand il y avait le temple. Et donc, une sorte d'échantillonnage de tous ces fruits et de toutes ces récoltes devait absolument passer par Jérusalem et arriver au temple. Et on va voir dans quel... sous quelle forme en tout cas. Alors là, je vous ai marqué plus ou moins toute la liste des commandements qui sont liés à la terre d'Israël. C'est très important de comprendre que tous ceux qui sont en France ou dans le monde entier, ces commandements ne sont pas applicables, en tout cas d'après la Torah. Alors vous en connaissez certainement certains d'entre eux. Par exemple, faire la chala, le prélèvement de la pâte lorsque l'on crée une pâte d'un certain, une certaine quantité, eh bien, il faut prélever une partie et amener ce prélèvement à un homme qui s'appelle le Cohen. Eh bien, ça, c'est réalisable uniquement sur toutes les pâtes que l'on fait en Israël d'après la Torah. Il est vrai que les rabbins, aujourd'hui, depuis plusieurs centaines d'années, ont élargi ce spectre de la mitzvah et on peut également le faire en dehors d'Israël, mais on appelle ça les mitzvot qui sont d'après les rabbins. Or, d'après la Torah, c'est en Israël. Il y a plein de commandements qui sont d'ordre social. Beaucoup de ces commandements vont permettre en fait, de nourrir la population qui est pauvre, qui a des difficultés financières. Par exemple, un agriculteur devra laisser un coin de son champ, on appelle ça la PA, et elle sera cultivée pour les pauvres. Ou alors également, on doit, lorsqu'on ramasse des gerbes de blé, si plusieurs gerbes tombent, une ou deux ou trois, on n'a pas le droit de les ramasser, il faut les laisser aux gens qui sont pauvres. Si on a oublié un endroit du champ, on a oublié de le labourer, il faut le laisser aussi aux pauvres.
et ainsi de suite. Et il y a énormément de commandements qui permettent à rééquilibrer en fait le niveau social des Juifs qui vivent en Israël et de permettre comme ça même à des gens qui ne sont pas propriétaires de terres de recevoir de quoi manger et tous les ans en fait d'agriculture. Alors on a également des commandements qui sont liés à la terre elle-même. Par exemple, on a parlé de la Shemitah, cette fameuse année, c'est tous les 7 ans, où on doit laisser la terre et on ne doit pas la cultiver, ni la labourer, ni en récolter les fruits, d'accord, et encore moins commercialiser ces fruits-là. Il y a des commandements aussi sur les bikurim, les prémices, les premiers fruits, on doit les amener au temple. Quelqu'un qui a planté un arbre fruitier, pendant 3 ans, il n'a pas le droit de profiter de cet arbre ni des fruits. La 4e année, il doit aller manger des fruits à Yerushalayim, à Jérusalem. Et bien entendu, tous les prélèvements, la dîme qu'on appelle 10%, qu'on devait faire au Cohen, qu'on devait faire également au Lévi. Et tous ces commandements permettaient un équilibre et de fixer un rythme où l'agriculture était quelque chose de très présent dans la religion, en fait. Donc aujourd'hui, comme je vous disais, on est de retour en Israël depuis maintenant 73 ans et beaucoup de ces commandements sont applicables. Et tout à l'heure, je vous montrerai quand on ira dans le Shuk Machane Yehuda qu'on peut voir l'expression en fait de toutes ces lois. Alors, la terre d'Israël, je vous la montre. Peut-être que c'est une carte que vous n'avez pas l'habitude de voir. La carte que vous voyez maintenant, c'est ce qu'on appelle la carte biblique. Et toutes les couleurs que vous voyez sont en réalité le territoire de 12 tribus, telles que c'était à l'époque du premier temple et même aussi à l'époque du deuxième temple. Il y a beaucoup de terrains et de territoires qui ne sont pas compris dans la carte biblique. C'est le cas, par exemple, du Negev, le sud d'Israël, et Elat. D'accord ? Donc, le Negev s'arrête à Be'er Sheva et puis ensuite, ça ne fait pas partie de ce qu'on appelle des frontières bibliques. Donc, on appelle ça la Terre Sainte et toutes les lois qu'on vient de citer sont applicables sur ce territoire, qu'il soit en notre possession ou pas. Donc, si, par exemple, il y a des gens aujourd'hui, s'ils font venir des fruits de Jordanie, ça risque de faire un problème, puisque, en fait, le territoire jordanien serait, dit au conditionnel, en tout cas inclus dans les territoires bibliques. D'accord ? Et on va voir comment, aujourd'hui, en 2021, on peut régler des problèmes actuels grâce au fait que beaucoup de certains des territoires ne sont pas entre nos mains, en tout cas, ou alors ne sont pas inclus dans la carte biblique, c'est le cas du Negev. On va voir dans un instant. Donc, je disais que tout ça se retrouve à Jérusalem et que même si à Jérusalem, il n'y a pas beaucoup de champs agricoles, eh bien, les marchés de Jérusalem étaient complètement inondés de fruits et de démonstrations agricoles, puisque tous les fruits venaient et se retrouvaient au temple pour faire des prélèvements ou des offrandes ou pour remercier Dieu d'avoir réussi à avoir une belle récolte cette année. Alors cette année, comme on l'a dit, c'est la Shemitah, et cette année de la Shemitah, je vais vivre très très vite, mais bien entendu c'est tout un monde, hein. On va ne faire que donner quelques renseignements et je vous invite à aller approfondir le sujet. Alors, l'année de la Shemitah, c'est en fait, on compte 7 années. 6 ans, il faut travailler la terre. Et la 7e année, on ne la travaille pas. Nous commençons la 7e année le jour de Rosh Hashanah. Et donc, à partir de Rosh Hashanah, c'est-à-dire du mois de septembre, la fête de Tishri, les champs agricoles n'ont plus le droit d'être labourés. Bien entendu, lorsqu'on a des oranges qui poussent actuellement, ce ne sont pas les fruits de la 7e année, c'est les fruits de la 6e année. On aura un problème donc normalement à l'hiver prochain avec les oranges qui viendront d'Israël. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Bien, c'est très simple, l'année de la Shemitah, les arbres ont donné leurs fruits, et bien on invite tous les habitants du pays à venir se servir dans les territoires du champ qui sont privés, et tout le monde peut faire ses courses tranquillement, et on appelle ça que le territoire devient efker, c'est-à-dire que le champ devient sans appartenance. Le propriétaire, l'agriculteur, n'est plus à même de jouir des fruits de sa production. Et il invite tout le monde à venir faire ses courses, faire son marché,
Et c'est merveilleux, puisque en fait, c'est la première des choses qui va naître de ça, c'est un sentiment de reconnaissance envers l'agriculteur qui nous permet d'avoir des fruits gratuitement. Et donc, ça met en avant le côté social, le côté amical, puisque le monsieur n'a aucune possibilité de vous dire « sors de là, c'est mon champ ». Donc, il ouvre son champ à tous, tout le monde vient, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il n'a plus le droit de travailler la terre, alors il doit aller, d'après la Torah en tout cas, se ressourcer, parce que pendant 6 ans, quand il a travaillé jour et nuit, et saison après saison pour récolter le labeur de son travail, eh bien, cet homme-là est devenu très matériel. Alors, la 7e année, pour lui, on lui a réservé un sort assez spirituel, c'est qu'il doit aller se ressourcer, aller apprendre, aller se détendre et faire ce qu'on appelle le Shabbat de la terre. Si pendant 6 jours, on travaille et le 7e jour, c'est Shabbat, on ne crée plus rien, eh bien, c'est le même cycle que pendant 6 ans, on travaille la terre et la 7e année, on ne la travaille pas et on essaye de se déconnecter un petit peu de cette terre, de ce côté matériel, pour essayer de comprendre que je ne suis pas le propriétaire de la terre. Alors, bien entendu, la plus grande des questions qui va se poser, c'est que si on ne travaille plus la terre, mais comment on va faire pour vivre? Et comment on va faire pour se nourrir? Et comment on va faire pour ce pauvre agriculteur pour recevoir ce qu'on appelle sa parnassa, le travail qui lui permet de vivre tout au long de l'année? Alors, la Torah a prédit que la 6e année serait une année très, très abondante et qui nous permettrait de vivre pendant non seulement la 6e année, mais la 7e et également le début de la 8e. Il se trouve que depuis 73 ans, les premiers pionniers qui sont venus en Israël n'ont pas trouvé une terre qui était fertile, mais plutôt stérile. Et on a eu beaucoup de problèmes à appliquer la Shemitah parce qu'on vivait au jour le jour et on ne pouvait pas se permettre de voir que la bénédiction céleste, en tout cas, s'exprimait la 6e année. Donc, on a dû malheureusement créer tout un système pour respecter la Shemitah, mais également pouvoir tout simplement continuer à vivre. Alors, quels sont les systèmes qui ont été créés? Eh bien, voilà, je vous les présente. Et, bien entendu, ils ne sont pas... sont pas idéales, puisque comme on a parlé de l'idéal d'après la Torah, c'est d'avoir une confiance totale et de vivre grâce à la bénédiction de la 6e année. Alors, si je vous prends le verset nous dit que 6 années tu ensemenceras ton champ, 6 années tu travailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit. Alors, j'ai insisté sur le fait qu'on parle au singulier, tu travailleras ta vigne, ton champ, etc. Et donc, c'est ces mots-là qui vont nous permettre de se détacher de la Shemitah et d'essayer de trouver des solutions quand on ne peut pas justement compter sur la bénédiction divine de la 6e année. Alors, par exemple, puisqu'il y a marqué « tu ne travailleras pas ta terre », eh bien, la solution de remplacement, ça sera eh bien, il faudra faire en sorte que ça ne soit plus ma terre. Alors, on a plusieurs options pour ça. Première option, on prend la terre d'Israël et on la vend à quelqu'un qui n'est pas juif. Et lorsqu'on la vend à quelqu'un qui n'est pas juif, ben je ne suis plus sur ma terre, ce n'est plus ma terre. C'est la terre de cet homme-là. Donc, je vous ai mis la photo du pape Jean-Paul II et d'un imam. Et donc, il y a une partie des champs agricoles en Israël qui ont été vendus à des non-juifs et qui nous permettent à cet agriculteur, en fait, de la cultiver toujours la terre sur laquelle il a vécu l'année dernière, mais ce n'est plus la sienne. Et c'est une technique de remplacement que l'on retrouve également lors de la fête de Pessah, où pendant 7 jours, il est interdit d'avoir du hametz à la maison, du levain. Et ce qu'on fait, c'est que comme la Torah a demandé de ne pas avoir de levain qui nous appartient, alors on le vend. Et de temps en temps, il y a des gens qui peuvent mettre de côté du levain sans avoir aucune crainte, puisque ce n'est plus le nôtre et qu'on l'a vendu. Donc, c'est le même processus. Il n'y a pas tout le monde qui est d'accord avec cette alternative. Et donc, il y a des gens qui ont décidé de le vendre, mais pas à quelqu'un, mais de le vendre à une entité. Et donc, on le vend à ce qu'on appelle le Beit Din. Alors, le Beit Din, aujourd'hui, en France, on l'appelle le consistoire, mais il y a une entité comme ça, rabbinique, qui s'appelle le Beit Din en France, en Israël. Et ce sont des rabbins qui prennent possession du champ de la personne
et donc il n'est plus le propriétaire. Donc le vendeur va donner les droits au Beddin, à l'autorité rabbinique, et c'est comme ça qu'il pourra continuer à cultiver son champ. Il y a juste une différence par rapport à la première technique, c'est que maintenant les fruits qui vont pousser de ce champ-là, si on les a vendus, alors ils ne sont plus à nous les fruits, alors que si on a vendu les fruits au Beddin, ces fruits appartiennent à des juifs toujours, que ce soit l'autorité rabbinique, et donc ces fruits-là ont une certaine sainteté, on appelle ça la Gdusha Juhit, c'est la sainteté de la septième année, et donc on n'a pas le droit d'avoir un rapport dégradant envers ces fruits, il faudra donc leur donner un rapport très précieux de sainteté, et donc on n'a pas le droit, par exemple, de jeter la poubelle ou les épluchures ou les écorces de ces fruits-là dans les poubelles. Il faut faire une poubelle spéciale qui permettra de garder un rapport de sainteté envers ces fruits jusqu'à ce qu'ils périssent, et à ce moment-là, on pourra les jeter. Donc c'est une discipline très difficile à avoir, personnelle. Quand on a des enfants, c'est encore plus compliqué. Et donc c'est une alternative également qui est compliquée à faire, et c'est pour ça qu'on a pensé à une troisième alternative. La troisième alternative, c'est tout simplement de ne pas prendre les fruits d'Israël et d'aller les chercher dans un autre endroit, un autre endroit des frontières bibliques. Donc on peut aller les chercher dans le monde entier, c'est l'image que vous voyez ici, on appelle ça Chul, Chutz Laaretz. On peut aller les chercher en Italie, en Grèce, en Turquie, pas trop loin pour ne pas faire augmenter le prix du transport. Ou alors on peut aller les chercher par exemple à Gaza, c'est le cas des territoires, ce qu'on appelle, qui ne sont plus aujourd'hui sous juridiction israélienne. Et donc, ceux-là, on les appelle le Yevul Nochri, c'est-à-dire les récoltes qui viennent des terres étrangères. Ou alors, comme on l'a dit tout à l'heure, d'aller chercher dans le Negev, la Arava, qui ne sont pas inclus dans les frontières d'Israël, bibliques, mais qui permettent d'avoir des fruits, en fait, du désert qui ne sont pas frappés de la sainteté qu'on a évoquée. Donc, on a plus ou moins, voilà, comme vous le voyez, on a cinq alternatives, il y en a quatre là devant nous. La première, on l'appelle Eter Mechira, c'est celle qu'on a vendue aux non-juifs. La deuxième, c'est celle qu'on a vendue au Beddin, au Tsar Beddin. La troisième, c'est celle qu'on fait, en fait, de l'importation de fruits de l'étranger. Et la quatrième, c'est de prendre des fruits des territoires, donc de l'autonomie palestinienne, de Hebron, Kalkilia, Toulkarem, Bethléem ou Gaza. Et on appelle ça le Yevul Nochri. Alors, lorsqu'on va au marché ou dans les supermarchés israéliens, bien chaque technique, chaque alternative a une Teouda, une garantie, un certificat de cacheroute. Et donc, chaque personne qui fait ses courses, elle doit choisir sa technique et se figer, rechercher les magasins qui fonctionnent d'après telle ou telle alternative. La dernière alternative, comme on l'a dit, c'était la Arava ou le Negev. Alors, d'un point de vue historique, bien entendu, le retour du peuple juif sur sa terre est quelque chose de très, très important. Et donc, même dans les années 1920, lorsque les premiers pionniers, qui étaient déjà même arrivés en 1880, lorsque les premiers pionniers étaient de retour sur la terre d'Israël, eh bien, ils ont tenté et voulu également faire respecter ces lois de la Shemitah. Alors, on a une histoire vraiment impressionnante d'un rabbin qui s'appelle le Rav Kook, qui en 1913 s'est lancé dans un très fabuleux parcours. Il a sillonné presque tout le nord du pays avec une délégation de rabbins, ils étaient sept, et ils sont passés voir tous les agriculteurs pour essayer non seulement de les encourager à sauvegarder la tradition juive, mais également de respecter les lois sur les prélèvements, sur la Shemitah, etc. Et ils voulaient leur montrer un soutien où les gens qui étudiaient et qui n'étaient pas des agriculteurs avaient leur vie totalement liée aux gens qui étaient des agriculteurs. Et donc, un merveilleux parcours de un mois a amené ces rabbins-là à sillonner tout le pays, tous les champs de l'époque, pour aller encourager ces agriculteurs et les remercier. Et la première des phrases que
ces rabbins disaient, nous ne sommes pas venus vous influencer de notre façon de vivre, mais au contraire, nous sommes venus être influencés en voyant votre dévouement que vous donnez dans le travail de la Terre Sainte. Et c'est quelque chose de très impressionnant, puisque les premiers pionniers qui, pour certains en tout cas, n'étaient pas religieux, quand ils voyaient ces rabbins barbus arriver en redingote noire, étaient impressionnés de voir qu'ils avaient fait le déplacement de Tel Aviv, de Yafo, pour leur donner un encouragement et une reconnaissance. Et il y a des très beaux témoignages historiques sur ce parcours qui a duré un mois. La terre d'Israël, comme on l'a dit, c'est une terre qui est sainte. Aujourd'hui, il nous reste quelques petites habitudes. Vous voyez, quand quelqu'un vient en Israël et vient habiter ou fouler la terre d'Israël, alors il l'embrasse et il la chérit, exactement comme il est marqué dans les textes bibliques, qu'un jour viendra, « Ki ratsu avadecha et avanea, tes serviteurs désireront les pierres d'Israël, ve'et afara yichonenu, et sa poussière, ils la chériront. » Eh bien, c'est un peu ce qu'on fait quand on se prosterne comme ça, un petit peu à embrasser et à chérir, pas le bitume de l'aéroport, mais la terre d'Israël. On connaît les fameuses photos où on voyait les Yéménites ou les Éthiopiens ou toutes les autres personnes qui se jetaient à terre pour montrer son attachement à la terre d'Israël. La terre d'Israël est appelée la terre où coule le lait et le miel. Le lait, eh bien, c'est un phénomène qui vient des vaches. Et le miel, ça vient des abeilles. Alors, il va falloir essayer de comprendre pourquoi la terre d'Israël est symbolisée à ce miel et à ce lait. Et pour ça, j'ai décidé de vous amener au Shuk Machane Yehuda, au marché de Jérusalem, qui s'appelle Machane Yehuda, dans lequel on va peut-être voir et comprendre de quel miel et de quelle douceur il s'agit. Alors, on va arrêter ce partage-là. Et je vais vous montrer le Shuk Machane Yehuda. C'est parti. Alors, bienvenue. Alors, on est au Shuk Machane Yehuda. Il y a le tramway aujourd'hui qui peut vous amener jusqu'à ce marché. Ce marché, il est très ancien. Il a été créé en 1887 par un dénommé Yosef Navon, qui avait eu son petit frère Yehuda, qui était tué suite à des épidémies, en fait, qui est mort de maladie. Et alors aujourd'hui, on a aussi des maladies. Hein. Vous avez vu au Shuk Machane Yehuda, on vend des vérifications antigènes. C'est un nouveau stand qui vient d'ouvrir en Israël. On invite les gens à faire des vérifications. Et donc, on a le tramway qui peut vous amener jusqu'à Machane Yehuda. Vous descendez et là, vous avez une merveilleuse allée qui est couverte et qui est en découvert. Donc, il y a deux allées centrales. Voilà, vous suivez les avocats parce que c'est un point de passage et ces avocats de la Cour suprême vont nous amener vers les avocats Carmel. Et vous allez voir à quel point les marchés israéliens sont riches, et non pas seulement de fruits secs, mais également de fruits de toutes les saisons. Aujourd'hui, avec la technologie et l'agronomie, on est capable d'avoir encore dans les marchés israéliens des grenades, des figues et tous les fruits d'Israël, mais également autre chose. Alors là, vous avez le magasin de ce qu'on appelle la halva, les sésames. On prend des sésames, on les broie, et avec du sucre et d'autres composants tels que le miel, eh bien, on fait des gâteaux de halva. Et voilà, c'est la halva à la pistache. Il y a toutes sortes de magasins très sympathiques. Là, j'en ai découvert un. C'est un magasin. Bon, alors, vous connaissez, hein, quand on a faim, on va à Machane Yehuda. On peut remplir sa pita avec de l'aubergine, des piments, toutes sortes de choses. Mais lui, il n'a pas choisi de la pita. En fait, ce qu'il a choisi, il a choisi des croissants. Et donc, il y a un magasin. Oh là là, horrible. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend des croissants français et il remplit de la viande dedans et toutes sortes de salades. C'était très, très bon, j'ai goûté. Et bien entendu, on a, alors demi, je veux le remettre ça, on a dans chaque magasin, on a l'authenticité, la cache-route qui va de pair. Donc là, je fais un arrêt. Vous voyez, dans chaque magasin, on donne au consommateur la possibilité de comprendre de quoi il s'agit. Alors là, on voit le Shemitah.
Yevul Nochri Veshishit. Donc, il s'agit de prendre l'alternative qui achète des légumes de Gaza ou de l'autonomie palestinienne, ou alors qui va chercher les fruits qui viennent de la sixième année, qui ne sont pas frappés encore par la sainteté. On a un autre magasin, ça aussi, c'est très sympathique. Regardez, il y a un monsieur tout en haut de l'effigie. On l'appelle l'homme Etrogman, l'homme des étrogues. Alors, l'étrog est un fruit en Israël. En général, il n'était pas mangé beaucoup puisqu'on s'en servait pour Sukkot. Mais lui, il a eu une super idée. Et en fait, il a décidé d'aller faire des recherches scientifiques et spirituelles. Et un homme qui s'appelle le Rambam a donné des recettes puisqu'il était médecin au 11e siècle, 12e siècle. Il a donné des recettes et ces recettes permettaient de donner en fait une santé de fer. Alors voilà, ce monsieur que vous voyez là vous permet, en fait il ne va pas vous le dire, mais il fait les recettes du Rambam, il met à l'intérieur des produits du Etrog et il vous prépare un jus aux mille et une saveurs qui va vous permettre de retrouver une santé de plomb. Et c'est vraiment authentique puisque en fait ce Etrog, que ce soit dans les sources rabbiniques ou que ce soit en tout cas sur le terrain, eh bien, on nous promet que celui qui mange des drogues a le cœur comme il faut, et sans problème de tension, sans problème de cholestérol, etc. Donc, vous avez des grandes sommités qui sont venues donner l'authenticité et la cacheroute. Alors, lui, il a choisi de faire le Eter Mechira, c'est-à-dire la vente à un non-juif. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ne mangeront pas de ces jus, puisqu'ils ne fonctionnent pas d'après le mode qu'ils se sont choisis. En tout cas, tous les modes sont cachers et beaucoup de rabbins, en fonction de ceux que vous choisissez, vous permettent ou pas de prendre telle ou telle alternative. Voilà, donc un merveilleux jus avec des fruits. Et ça, je vous le recommande. Ish Aetrogim. Alors, il y a les jus normaux également. Donc voilà, je vous invite à voir tous les fruits qui sont en étalage à Machane Yehuda. Ça donne très très envie. Et là, on va s'arrêter 2 secondes sur ce fruit qu'on appelle la fraise, qui est avec une abeille et un drapeau d'Israël. Alors, de quoi il s'agit? Eh bien, il s'agit que l'agriculteur des fraises n'est rien d'autre que cette abeille que vous voyez. Je vous la présente. Elle a été conçue au fin fond de l'Inde. Et elle a été importée, cette abeille, parce qu'il y a des gens qui la commercialisent et qui saupoudrent de nombreux champs agricoles avec des insectes ou avec des abeilles. Et ce que ça permet, en fait, ça permet de détruire les mauvais insectes qui rongent la production. Et vous voyez qu'à un certain moment, l'agronomie israélienne faisait qu'on pouvait avoir des fraises en Israël, mais il fallait se casser le dos. Alors, de temps en temps, il y a des gens qui ont des techniques et des start-up. Et voilà, en mettant les fraises sur des piliers, on peut arriver à faire en sorte qu'on n'a plus besoin de se casser le dos, mais au contraire, il ne faut plus que tendre la main. Et l'abeille vient d'un kibbutz, où il y a une usine là-bas qui s'appelle le kibbutz Sde Eliyahu. Et on a une usine qui s'appelle Biobi. Elle produit énormément d'insectes pour pouvoir améliorer le rendement, faire que les fraises ne sont pas frappés de maladies ou tout simplement d'insectes. Comme vous savez, on n'a pas le droit de manger des insectes. Donc, d'un point de vue de la cache-route, c'est très, très important aussi de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'insectes. Voilà donc de nombreux fruits, des fruits qui sont quelquefois importés, mais aussi qui poussent dans les régions tropicales en Israël. Oui, il y a des régions tropicales puisqu'on crée des milieux naturels dans des serres, dans le désert, etc. Et on a la possibilité donc de faire de nombreux fruits. On a encore des raisins sur le marché, des figues, des poires et des ananas qui sont soit israéliens, soit qui viennent d'Afrique, avec bien entendu les réseaux aériens qui sont très développés de plus en plus, même s'il y a le Covid. Les fruits ne doivent pas donner de vérification antigène, donc c'est bon, ça passe. Voilà, donc ça, c'était pour le rayon fruits, légumes. Il y a également beaucoup de gens qui apparaissent dans les magasins. Voilà.
On m'entend? C'est bon, hein? C'est bon, c'est bon, c'est bon. OK. Alors, je disais que, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y avait un portrait dans ce magasin. Ce n'est pas un rabbin, mais c'est un des premiers ministres israéliens qui s'appelait Menachem Begin. Et c'est très important pour ces marchands qui ont connu Menachem Begin et qui ont beaucoup apprécié sa gestion, de lui faire hommage. Voilà, ça, c'est la partie découverte. Donc, on peut se balader. Alors, les photos n'ont pas été prises aujourd'hui, hein, mais c'était mardi, mercredi, un beau ciel bleu et le miel, voilà, qui fait irruption dans le souk Machane Yehuda autour de nombreux gâteaux. Donc, on a le blé, on a l'orge et on a ces gâteaux libanais qui sont exposés. Bien entendu, ils sont cachers. Vous pouvez aller dans la vieille ville à Jérusalem et trouver la même chose dans les communautés musulmanes, mais ceux-là, ils sont cachers, ils sont faits par des juifs. Et ça ruisselle, le miel ruisselle dans le souk Machane Yehuda. Il y en a même qui font chauffer ces gâteaux et qui les vendent avec du fromage. On les appelle les knafé. Il y en a qui appellent ça le konafa. Et voilà, donc c'est assez, on va dire, impressionnant de voir comment tout est bien organisé, bien rangé en Israël dans ce fameux marché. On a plusieurs marchés hein, dans le pays. Et à l'époque, comme je disais, tout bishvat était d'offrir des fruits secs qui avaient plusieurs années. Le karou, par exemple. Aujourd'hui, ces fruits n'ont pas le privilège. Il y en a, mais bon, c'est la majorité sont des fruits vraiment frais. On passe un peu aux légumes. On a les olives, qui sont aussi des fruits. Alors, vous savez que les fruits, les olives, on a les olives vertes, les olives noires, elles sont sur le même arbre, sauf que les olives noires sont des olives qui sont mûres, alors que les olives vertes ne sont pas mûres, mais elles sont sur le même arbre. Donc, on a toutes sortes d'olives, et des condiments, et des conserves, et ça aussi, même chose, se sont frappés par l'année de la Shmita. On doit faire très attention. On parlait du lait et du miel. Alors, ben avec le lait, ben, la terre où coule le lait et le miel, ben là, c'est le fromage. Et donc, on a un des plus beaux magasins d'Israël qui se trouve à Machane Yehuda. Il s'appelle le magasin Bachar. Et alors, là-bas, vous avez tout. Hein. Vous avez même la vache qui rit. On l'a ramenée de France. On a du hareng, des boutargues, des fromages. On a du vin. Et donc, dans cette fameuse boutique, eh bien, vous pouvez faire des dégustations de vin, de fromage et recevoir du fromage du monde entier, mais également israélien, la feta, de Grèce, etc., le fromage de chèvre, toutes sortes de fromages. C'est vraiment pour celui qui a pas de cholestérol, eh ben, soyez le bienvenu. Et avec modération, chaque chose. Tout est bien avec modération. D'accord, donc c'est une très très jolie boutique qui se trouve dans le Chouk Machane Yehuda et je vous invite vraiment à venir profiter lors de votre prochain voyage à déguster ces saveurs. Voilà, on a même les baguettes, tout y est. Les Israéliens vraiment ont appris pendant on va dire les 20 dernières années à se mettre non seulement au niveau européen, mais à le dépasser quelquefois. Il y a des compétitions de fromage, de vin qui arrivent à des hautes sphères de podium. Et aujourd'hui, dans le pays, bien entendu, même au supermarché, on peut retrouver de nombreux fromages qui sont le fruit de producteurs et des vaches israéliennes. Okay, donc voilà, ça, c'était pour vous montrer les bouteilles de vin qu'il y a aussi dans le magasin Bachar. On a également des très très belles boulangeries qui savent faire le pain artisanal et qui savent vraiment développer le côté culinaire, même de ce point de vue, du point de vue de ce qu'on appelle des batseks, des pâtes et de la boulangerie. Alors, on a même un pain qui s'appelle Tsarfati, vous voyez. Les poissons aussi,
Très important. Alors, bien entendu, on a le poisson international, ou plus exactement national, qu'on appelle la carpe, d'accord, avec laquelle on fait le fameux gefilte fish. Pour les communautés ashkénazes, la carpe, il y a des viviers, des piscicultures de ce poisson, et on peut avoir donc tous les vendredis au Chouk Machane Yehuda, soit acheter tout prêt, soit bien entendu le faire soi-même. Voilà les légumes, de très très jolis légumes. On est toujours, comme je vous disais, l'année de la Shemitah, donc les gens vont choisir leur magasin avec, en fonction de la casheroute. Il y a bien entendu des gens qui ne font pas attention, mais en tout cas, chaque commerçant se doit d'afficher pour le bien-être de ses consommateurs de quelle casheroute. Alors, on a aussi les produits finis. Produits finis, alors ça, puisque c'est bientôt l'heure du midi, alors on va vous mettre l'eau à la bouche, les salades israéliennes qui sont avec tous ces légumes, ces fameux légumes, les betteraves, les poivrons, les piments, les aubergines, les pommes de terre et voilà, mais mille et une saveurs qu'on peut retrouver dans ce magasin qu'on appelle Tzidkiaou et qui vend de la nourriture déjà toute prête. Le rythme aujourd'hui des gens est très poussé et axé sur la production. Et donc le vendredi, en moins d'une heure, vous pouvez avoir votre repas de Shabbat préparé avec les bonnes choses que le restaurant Tzidkiaou vous prépare, que ce soit des choses qui sont frites ou des koubés. Et il y en a pour toutes les traditions, les Marocains, les Tunisiens, les Algériens, les Ashkénazes et autres. Là, on a la halva. On l'avait déjà vu. Voilà. Et bien entendu, alors là, ça, c'est la production de pita. Voilà la pita qui sort du four avec plein de systèmes. Et donc, un hommage pour le blé israélien, qui, quelquefois également, est importé d'Amérique, qui nous permet de faire ces belles choses que vous voyez. Donc, on a fait le tour plus ou moins de tous les 7 fruits d'Israël. On les a vus en vrai, on les a vus industrialisés ou à l'état de repas même. Voilà, la lahmania, sorte de petit sandwich. Et pour terminer, les derniers fruits et légumes d'Israël. Alors, voilà, il y a toutes les tailles, toutes les couleurs. Et tout est bien exposé. Vraiment, les Israéliens, on peut dire que celui qui connaît, qui est en Israël depuis 30 ans, vraiment peut remarquer une très belle avancée en tout cas, de ce qu'on appelle le marché israélien, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, vaut et équivaut à beaucoup de choses qui se trouvent dans le monde de l'agriculture et de la production. Alors, je voulais terminer en vous racontant une petite histoire qui s'est passée en 2014. C'est une histoire qui s'est passée en fait dans la dernière Shemitah. En 2 minutes, j'ai pas le... ne vois pas la même chose. Un instant. OK. Bien. Alors, en 2014, il y a une opération militaire en Israël qui s'appelle l'opération Roc inébranlable, Tsouketan. Et pour celui qui ne se rappelle pas, on avait un grand, grand problème en Israël. C'est que d'abord, il y avait beaucoup de missiles qui étaient lancés sur Israël à partir de la bande de Gaza. Et un deuxième symptôme de cette opération, c'était que les Palestiniens avaient fait ce qu'on appelle des tunnels souterrains et qu'ils avaient creusé, mais vraiment des dizaines de kilomètres pour s'infiltrer dans les localités israéliennes et peut-être même de créer des tunnels afin de faire commettre des attentats et de retourner après les avoir faits dans ce fameux tunnel et retourner chez eux dans la bande de Gaza. Cette opération a été entreprise afin de détruire tous les tunnels qu'on pouvait retrouver. Donc, vous voyez le résultat de l'opération, 32 tunnels détruits et un nombre de roquettes vraiment énorme
qui sont tombés et qui ont été arrêtés par ce qu'on appelle le dôme de fer, qui permettait la protection, en tout cas, des territoires et des villes israéliennes. Voilà, vous avez devant vous ce qu'on appelle un tunnel. Et donc, lorsqu'un soldat découvrait l'ouverture d'un tunnel, on s'infiltrait à l'intérieur, on allait voir de quoi il s'agissait, puis on retrouvait très souvent des armes qui étaient cachées à l'intérieur et qui devaient normalement servir à faire des attentats. Et vous savez pourquoi je vous raconte cette histoire en 2014, c'est que 2014, c'était il y a 7 ans. Et il y a 7 ans, c'était la Shemitah, puisque tous les 7 ans, il y a une Shemitah. Alors, une très belle histoire s'est déroulée, puisqu'en 2014, et juste un petit peu avant le début de la Shemitah, au mois de juillet 2014, il y a un groupe d'orthodoxes de Bnei Brak qui décide d'aller autour de la bande de Gaza, dans les champs israéliens, et d'aller chercher du blé qui pousse, même s'il n'est pas encore prêt, afin de récolter ce blé-là et de le mettre de côté pour pouvoir faire des matzot à Pessah, 6 mois plus tard. Alors, ils vont voir un agriculteur, ils lui disent « Écoute, j'ai besoin de ton blé. » L'agriculteur lui dit « Mais il n'est pas prêt encore, il est ouvert. » Et lui, il leur répond « Écoute, nous, il est très bien comme ça. Il nous convient fortement parce que d'abord, ce n'est pas encore la Shemitah. Et puis, dès que dans un mois et demi, la Shemitah commencera, pour peu qu'il pleuve, on ne peut pas se permettre d'avoir du blé qui est frappé de la Shemitah. Alors, s'il te plaît, vends-nous ton blé. » Alors, il dit, mais moi, je vais perdre, je vais vous le vendre moins cher. Alors, il dit, non, mais tu vas gagner, puisque en fait, tu ne vas pas travailler ta terre. Nous, on va la cultiver à ta place et tu ne vas pas arroser ton champ. On te l'achète tel quel. Bref, chose promise, chose due, ils ont réussi à trouver un terrain d'entente. Et c'est comme ça qu'en 2 jours, le champ a été totalement labouré et ils ont fait la récolte de ce champ de blé qui était à moins d'un kilomètre de la bande de Gaza. Qu'est-ce qui est intéressant dans cette histoire? Eh bien, c'est 3 jours plus tard. 3 jours plus tard, le 17 juillet 2014, il se passe en Israël quelque chose d'assez difficile. Alors ça, je vais vous montrer en image. Une minute. Tac. Petit instant. Alors, c'est une vidéo qui a été publiée par Torah Box. Dans un instant, vous allez le voir. Je ne suis pas encore avec vous. Perdu. Alors, où on est là? Je vais sortir de ça. Hop, vous voilà. Et voilà. Alors, l'histoire est comme ça. Donc, vous l'avez en sous-titré. Les gens de Bnei Brak arrivent, ils vont dans le champ et... bien entendu, ils essayent d'avoir la possibilité de récolter ce blé. Donc, on a dit, un instant, et là, lorsque, on va venir, voilà, la transaction se passe, je passe. Voilà. Très bien. Alors, on est sur le champ. OK, vous voyez cet homme militaire qui essaye d'expliquer un petit peu. Le champ est maintenant... complètement vide, et là, en réalité, il n'y a plus de possibilité de voir des épis de blé. Eh bien, qu'est-ce qui s'est arrivé le 17 juillet? 13 terroristes du Hamas font irruption, je vous laisse lire. Ils arrivent dans ce champ, ils sortent d'un fameux tunnel, et là, grande surprise, en fait, lorsqu'ils sortent du tunnel, il n'y a plus de camouflage. Il y a une caméra qui est attachée à un ballon, et ça y est, ils sont complètement dévoilés et démasqués. Et voilà les images de ces fameux terroristes, 13 terroristes qui sortent du tunnel, mais là, qui remarquent qu'il n'y a plus de champ, il n'y a plus de blé. Alors, ils rentrent à l'intérieur du tunnel pour essayer de retourner à Gaza.
Donc l'aviation, comme il nous le dit, va lancer une opération éclair. Ces gens qui sont à l'intérieur du tunnel se font totalement torpiller. Et regardez comment c'est beau en Israël. On voit ce soldat militaire qui dit que c'est grâce aux juifs religieux qu'on a démasqué les terroristes. Et la plus belle des choses, c'est que ces mêmes religieux disent, grâce à l'armée, on a réussi à abattre tous ces terroristes. Et donc, c'est un petit peu le miracle de cette Shemitah, c'est que on nous promet en tout cas une véritable bénédiction si on arrive à garder toutes ces lois qui sont relatives à la terre sainte. Et en fait, il y a 7 ans, on a pu vraiment remarquer ce miracle qui a forcément sauvé la vie aux gens du kibboutz qui est à côté, qui s'appelait Soufa, et qui ont eu la vie sauve, puisque avec tout l'arsenal qu'on a retrouvé dans ce tunnel, le kibboutz aurait dû normalement être complètement effacé de la carte. Voilà, donc si vous avez une question, avec grand plaisir. Peut-être je vous rends la antenne, vous pouvez ouvrir vos micros. Écoute, il y a quelques questions qui concernent surtout la cacheroute. Regarde, si tu peux, regarde. Alors, dans le chat. Dans le chat, oui. Oui, les fromages de Bachar sont cachers. Ce n'est pas Bachat, c'est Bachar. J'ai vu là-bas, moi, une théouda de cacheroute. Le croissant, bien entendu, avec la viande, il n'était pas au beurre, il était parvé, c'est-à-dire avec de la margarine. Les fruits de Jordanie, dont nous ne sommes pas propriétaires, ne sont pas permis. En fait, pour que les fruits soient permis ou interdits, ça dépend si on est propriétaire de la terre, en fait. Et si on est en Jordanie et que la Jordanie est propriétaire, eh bien, nous pouvons profiter de ces fruits-là. Voilà. Okay, y a-t-il d'autres questions? Voilà, donc bien entendu, aujourd'hui en Israël, puisque c'est le cas en tout cas et qu'il pleut, c'est un jour de fête puisque cette pluie va nous permettre d'avoir de très belles récoltes. Et peut-être que vous le savez, aujourd'hui, Israël ne peut pas compter uniquement sur cette pluie qui tombe. Elle n'est pas assez suffisamment nombreuse. Et donc, on a la possibilité de créer de l'eau en Israël puisqu'on prend… On a des usines qui permettent de désaliniser l'eau ou tout simplement de prendre les eaux usées et de les nettoyer. Alors, on ne boit pas cette eau qui a été, en fait, les eaux d'épuration, mais on les utilise pour les besoins agricoles. Et on peut visiter beaucoup d'endroits aujourd'hui en Israël qui utilisent cette eau pour les besoins agricoles et… Et voilà. Alors, peut-être un dernier mot sur la soirée de ce soir. Vous savez que ce soir, c'est Tou Bichvat. Et il y a 500 ans, un rabbin qui s'appelait le Hari HaKadosh, le Hari Zal, qu'on appelle, a lancé une nouvelle habitude dans le peuple juif, c'est de se nourrir de fruits et d'utiliser des fruits qu'il a catégorisés en fait en plusieurs groupes. Alors, je vous l'ai dit, il y a 4 groupes de fruits. Il y a des fruits qui ont des écorces à l'extérieur et donc il faut enlever cette écorce pour atteindre le fruit qui est à l'intérieur. On a les fruits qui ont un pépin à l'intérieur, et par exemple la datte, d'accord ? Le fruit est à l'extérieur mais l'écorce est à l'intérieur. On a également des fruits qui ont des écorces et à l'extérieur et à l'intérieur. Par exemple, c'est le cas des oranges. D'accord ? Ou de la grenade. Okay ? Il y a une peau à l'extérieur et il y a un pépin à l'intérieur. Et on a les fruits idéaux, les meilleurs fruits, c'est ceux qui n'ont aucune invalidité, en fait, aucune écorce, aucun pépin. C'est ceux qu'on peut manger, comme on dit, tout cru, en extérieur et à l'intérieur. Eh bien, si vous en avez, c'est le cas, par exemple, du raisin.
Le raisin, il a des pépins à l'intérieur, mais ils sont également très importants dans la réalisation du vin. Et le fruit idéal, c'est la figue. La figue qui est le seul fruit, parmi les sept fruits d'Israël en tout cas, qu'on peut manger sans aucune, en tout cas après avoir vérifié qu'il n'y a pas de verre, hein, mais qu'il n'y a pas d'écorce. Voilà. Donc, le soir de Tu Bishvat, on a l'habitude de prendre ces quatre fruits. Et il y a un ordre, bien entendu, par lequel on commence. C'est d'abord prendre les fruits qu'on préfère, ceux qu'on aime. Et d'autres disent qu'il faut prendre les fruits qui sont les plus proches du mot « Eretz » dans le verset, puisqu'il y a marqué « c'est la terre du blé, de l'orge, etc. » Et donc, on commence par prendre un fruit, du blé, un gâteau, ou quelque chose comme ça, et après on suit l'ordre du passouk, du verset. Voilà, donc vous pouvez déguster des fruits. Puisque vous êtes à l'étranger, faites attention aux fruits que vous mangez. S'ils viennent d'Israël, vous devez vérifier de quelle alternative et de quelle solution ils sont. Et ça, ce n'est pas toujours dit, donc faites attention. Voilà. Merci de votre écoute. Et puis, je vous souhaite une bonne fête de Tu Bishvat. Pour ce soir et demain. Et si vous avez l'occasion d'aller planter des arbres en Israël ou de peut-être même de subventionner la plantation d'arbres, bah faites-le, puisque c'est un signe primordial, en tout cas de l'époque messianique. Merci beaucoup, Dan, pour cet exposé passionnant qui nous a mis l'eau à la bouche lors du repas en France et en Israël, qui plus est encore en Israël, puisqu'il est déjà 1h30 chez nous. Il nous a mis beaucoup de lumière et beaucoup de lumière et de fruits dans les yeux, et vraiment un grand merci. Nous vous souhaitons à tous une très belle fête de Tu Bishvat. Peut-être que Yasmine, tu nous rappelles les prochains rendez-vous. Bon, oui, donc Toda Rabba Dan, c'était vraiment passionnant, ça donne envie de partir en Israël tout de suite. Et puis oui, jeudi soir, on a un rendez-vous avec Manu Cohen, qui est la nouvelle star de télé-réalité israélienne, qui est un nouvel immigrant de France, qui a participé à Mario Premier Regard en Israël. Et dimanche soir, on a un rendez-vous avec Pierre Lursa pour découvrir qui est Golda Meir, la femme derrière la légende. Voilà, donc c'est les deux prochains rendez-vous, jeudi soir et dimanche soir. Merci à tous et Shavua Tov. Shavua Tov. Bye.